Notre objectif cette année, c'était d'obtenir et de s'inscrire dans la démarche RSE, label commerçant responsable. Donc nous avons obtenu ce label en août 2022. Et donc tous les jours au quotidien, nous allons continuer nos actions pour préserver notre environnement. Bricomarché Auray, on a mis beaucoup de choses en place en fait en très peu de temps. C'est ça aussi qui a fait notre force, je pense, pour avoir le label RSE. On a mis deux ruches en place dans le magasin, au niveau donc de l'extérieur du magasin, avec B-City, donc un partenariat avec eux. C'est une entreprise en plus qui n'est pas très loin donc, de la région de Bretagne. On a mis aussi en place donc, des composteurs donc, pour récupérer aussi donc, tout ce qui est donc, tri des déchets. Le tri des déchets aussi a été mis en place dans le magasin avec plusieurs donc, poubelles attitrées en fait, pour le tri sélectif. On a aussi donc, des récupérateurs d'eau pour capter l'eau en fait, de la pluie pour pouvoir arroser en fait, nos plantes le matin et éviter justement d'utiliser cette eau. En fait, la planète en a moins, donc à un moment donné, il fallait qu'on trouve des solutions. Une super idée qui a eu lieu, c'est qu'on mette des poules en fait, au niveau de la pépinière. Alors pourquoi des poules? Parce que tout simplement, ces poules-là en fait, mangent tout ce qui est microbes, on va dire, dans cette partie-là. Et ça nous évite aussi en même temps de ne plus utiliser en fait, de produits toxiques pour pouvoir traiter les mauvaises herbes. On a aussi donc, tous les mois une évaluation en fait, de combien on économise par mois en fait, pour pouvoir au niveau électricité et gaz. Donc ça nous permet de savoir combien on économise en fait, par rapport à une maison en termes de kilowattheure. Je prends l'exemple du mois dernier, on a économisé deux maisons entières sur toute une année, donc c'est quand même énorme. Il nous semblait important d'accompagner cette réelle volonté dans leur vie personnelle à protéger l'environnement. Ils trient déjà leurs déchets, ils sensibilisent leurs enfants au quotidien à la préservation de l'environnement. Donc il nous est apparu nécessaire d'entamer cette démarche au niveau de la vie professionnelle pour les accompagner et pour accompagner Bricomarché dans une transition écologique